Bonjour les enfants, ici Nicolas de Myre, Santa Claus pour d'autres. Je vais vous lire un conte pour vous préparer à Noël. Douce nuit, Silent Night. Il y a de cela très longtemps, une femme et un homme partirent pour une ville lointaine. Ils se nommaient Marie et Joseph. Marie voyageait sur le dos d'un petit âne, car elle portait en elle un enfant et ne pouvait faire une aussi longue marche. Au départ, l'âne s'était entêté et n'avait cessé de braire « Hiran ! Hiran !» pour montrer qu'il refusait de porter à la fois la femme et tous les bagages. Mais Joseph l'avait caressé gentiment en lui disant « S'il te plaît, aide-nous. L'enfant qui va naître est le Fils de Dieu. » Le petit âne s'était alors aussitôt radouci et avait accueilli Marie avec joie. Des jours durant, ils avaient voyagé ainsi. « Oh Joseph, je n'en peux plus !» gémit Marie un matin. À bout de force, elle se mit à pleurer. Joseph la consola. « Courage Marie ! Bientôt, nous serons arrivés à Bethléem, et là, nous nous chercherons une jolie chambre dans une auberge. Cette nuit, tu dormiras dans un bon lit, bien confortable. » Alors Marie se releva et ils poursuivirent leur chemin. Mais en ville, il y avait tant de monde que les deux voyageurs épuisés ne trouvèrent plus la moindre chambre. Toutes les auberges étaient bondées. Dans la dernière, à la sortie de la ville, ils entendirent à nouveau les mêmes mots. « Désolé, mais nous n'avons plus de place nulle part. » Désemparés, Marie et Joseph quittèrent la ville, grouillante de monde. Où allaient-ils pouvoir passer la nuit? C'est alors que, dans le silence de la campagne, Joseph entendit soudain un mugissement. Peut-être y avait-il une étable dans les environs, dans laquelle il pourrait trouver refuge. Bientôt, en effet, ils distinguèrent l'ombre d'une étable à l'écart du chemin. Elle était garnie de paille et couverte d'un toit bien étanche. Il y avait même quelques pierres assemblées en cercle pour y faire du feu. Dans un coin, un grand bœuf brun les regardait. « Merci de nous avoir attirés jusqu'ici !» lui dit Joseph en riant. « Pouvons-nous rester pour la nuit ?»« Meuh ! » fit le bœuf, comme pour leur souhaiter la bienvenue. Joseph porta Marie à l'intérieur. Il la coucha sur un bon lit de paille et la couvrit de son grand manteau. Épuisée, elle ferma aussitôt les yeux. Joseph donna à manger et à boire au petit âne ainsi qu'au bœuf. Puis il éteignit sa lanterne et s'allongea à son tour. Au beau milieu de la nuit, cependant, il fut réveillé par une vive lumière. Encore tout endormi, il se frotta les yeux. Il avait pourtant éteint la lanterne. Marie était agenouillée devant la crèche. Et là, un adorable bébé dormait dans la paille. « L'enfant !» murmura Joseph. « Ô Marie, voici que le Fils de Dieu est venu au monde dans une pauvre étable. »« Qu'importe !» répondit Marie en souriant. « Tout est bien ainsi. Vois comme il est beau et rayonnant. Nous allons l'appeler Jésus. » Soudain, on entendit frapper à la porte. Qui pouvait bien venir par ici à une heure aussi tardive ? Quelque peu hésitant, Joseph alla ouvrir. Dehors se tenaient des bergers avec leurs moutons. « Pouvons-nous entrer et saluer le divin enfant ?» demanda le plus jeune. « Mais comment savez-vous qu'il est né ici ?» s'étonna Joseph. « Dieu nous a envoyé un ange, » expliqua l'enfant, « et l'étoile nous a indiqué le chemin. » Au-dessus de l'étable, en effet, brillait une étoile d'un éclat sans pareil. « Venez !» leur dit Joseph. Les bergers entrèrent. Puis ils saluèrent Marie et lui remirent leurs présents.
C'étaient des cadeaux de gens simples. Du pain, du sel, une cruche de lait et une couverture de laine pour enfants. Ensuite, ils allèrent s'agenouiller devant le nouveau-né. Dans le profond silence qui se fit, le jeune berger sortit une flûte de son sac et il se mit à jouer pour l'enfant Jésus la mélodie d'une douce nuit qui venait de voir se produire le plus grand des miracles. Il est né, le divin enfant. Merci de m'avoir écouté, les enfants. Je vous souhaite le plus beau Noël du monde. Joyeux Noël! Merry Christmas! Feliz Navidad! Buon Natale! Bon Nadal! Frohe Weihnachten! Grandschön Felicit!